longtemps, on m'appela l'Arménien, sans trop savoir où se trouvait cette terre sur laquelle, depuis plus de 2000 ans, mes ancêtres descendants du pays Urartu s'accrochèrent à leur patrimoine culturel, malgré massacres et persécutions, en espérant chaque fois que c'était la dernière fois. Premier peuple chrétien du monde, les envahisseurs qui retracent les frontières au gré de leurs ambitions placèrent mon pays sous l'occupation turque. Derrière le calme trompeur des minarets qui invitait à la prière, la vie de l'Arménien fut jalonnée de pyramides de têtes coupées. Sur les sables brûlants du désert de Deir Zor, qui a vu l'agonie d'un peuple, les hordes fanatiques tuèrent les corps. Il reste les âmes, il reste la mémoire, il reste un poète agenouillé qui écoute le vent. Ce vent de Deir Zor qui, de l'os d'un enfant, avait fait une flûte et, dans la paix de l'aurore, sifflait un chant immortel. En ce 2 juin de l'an 1921, je déclare ouverte la séance de la Cour d'assises de Berlin. Je rappelle aux experts et aux témoins de ce procès l'importance et le caractère sacré du serment. Je vous rappelle également que la loi prévoit de lourdes peines pour celle ou celui qui rend un faux témoignage, intentionnellement ou non. Greffier, procédez à la lecture de l'acte d'accusation. L'étudiant mécanique, Sagoman Télérian, né le 2 avril 1897 à Pakarich, demeurant à Charlottenburg, Hartenbergstrasse 37, est accusé d'avoir tué le 15 mars 1921 l'ancien ministre de l'Intérieur turc, Talat Pacha, et d'avoir commis le crime avec préméditation. Crime qui tombe sous le coup de l'article 211 du Code pénal allemand. Accusé, levez-vous. Sagoman Télérian, veuillez répondre par oui ou par non à la question. Êtes-vous coupable d'avoir commis ce crime avec préméditation ? Non, je ne me crois pas coupable, car j'ai la conscience tranquille.
J'ai tué un homme, mais je ne suis pas un meurtrier. Bien, asseyez-vous. Nous allons procéder à l'audition des témoins. Madame Elisabeth Dittmann demeure à 37 Dornbergstrasse. À vous jurer devant Dieu Tout-Puissant de dire en votre âme et conscience toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Dites ce que vous savez, vous jurez. J'étais la propriétaire de ce jeune homme au moment de... au moment de l'événement. C'était un garçon agréable, très correct, calme et très propre. Il faisait lui-même son ménage. Le matin de la... le matin du 15 mars, ma bonne me dit que le jeune homme pleurait dans sa chambre et qu'il avait bu du cognac. J'ai pensé qu'il avait peut-être perdu quelqu'un. Nicolas Jessen, commerçant à Charlottenburg. Nous vous écoutons. Quand je me suis précipité sur l'accusé pour l'arrêter, je lui ai aussitôt demandé pourquoi il avait tué. Il m'a répondu, moi arménien, lui turc, ça ne regarde pas l'Allemagne. Lola Bellenson, institutrice. J'ai donné à Monsieur Tellirian quelques leçons d'allemand. Ce garçon visiblement souffrait moralement. Il arrivait toujours avec un visage terriblement triste. Madame Bellenson, a-t-il exprimé les motifs de cette tristesse? Une seule fois. Il m'a dit qu'il n'avait plus de patrie et que tous ses parents avaient été tués. Il ne vous a jamais parlé de Talat Pacha? Jamais. Bien. Je vous remercie, madame. Monsieur le Président, il serait intéressant de préciser à messieurs les jurés que le ministre turc Talat Pacha a été condamné à mort par la cour martiale de son pays le 5 juillet 1919 pour crime contre l'humanité. Il s'est enfui en emportant 10 000 livres or du trésor public et qu'il s'était réfugié à Berlin sous le faux nom de Salibet. Je voudrais signaler à l'honorable défenseur qu'il se trompe de procès. Ce n'est pas Talat Pacha que nous jugeons aujourd'hui, mais son assassin, Sogomon Tellirian. Monsieur le procureur, soyez rassuré, je ne me tromperai pas de procès, mais je démontrerai devant cette cour que vous vous trompez d'assassin. Monsieur le Président, sans anticiper sur ma plaidoirie, permettez-moi très rapidement de situer les faits. Messieurs les jurés, en ce mois de juin 1915, il y a 6 ans à peine, cet homme que vous allez juger aujourd'hui va voir en quelques secondes le crâne de son frère aîné fendu par un coup de hache. Sa mère, le visage éclaté par une balle, s'effondre devant lui. Sogomon Tellirian, pâle d'horreur, est là, paralysé devant l'insoutenable vision. Il entend encore les hurlements de ses deux jeunes sœurs, 14 et 16 ans, que les gendarmes turcs entraînent à l'écart, derrière les buissons, avant de s'écrouler à son tour, barbouillé de sang dont il ne sait plus si c'est le sien ou celui de son jeune frère assassiné, qui se vide sur lui. Il n'y a plus autour de lui que des centaines de corps souillés, mutilés de femmes, d'enfants et de vieillards. Messieurs les jurés, une vivante par hasard de ces routes de la mort, une rescapée de ce carnage dont la monstruosité dépasse l'imagination, va témoigner. Écoutez-la bien. Je m'appelle Christine Terzibachian. Je suis née à Erzurum. Notre déportation commença en juillet 1915, dans 4 convois. De combien de personnes était composé votre convoi? 500 familles, c'est-à-dire 7 à 8 000 personnes. Nous étions 21 personnes dans ma famille. J'ai assisté à la mort de tous les miens, sauf 3. Qui ont pu échapper au massacre. Comment en est-on venu au massacre dans lesquels périrent vos parents? Quand nous sommes arrivés à Malatia, on nous conduisit sur une montagne et on sépara les hommes des femmes. Mais chacun des deux groupes pouvait voir ce qui arrivait à l'autre. Tous les hommes furent abattus à coups de hache et précipités dans le fleuve. Dites aux jurés ce qu'ils firent des femmes. Lorsque la nuit tomba, les gendarmes se choisirent les plus belles femmes, les plus jeunes, celles qui résistaient
et refusait de céder. Était transpercé à coups de baïonnette et écartelé. Même les femmes enceintes ne furent pas épargnées. Les Turcs leur ouvraient le ventre et arrachaient l'enfant. Madame, vous maintenez avoir été le témoin oculaire de cette incroyable et horrible scène. Je le jure, monsieur le président. L'une de mes sœurs faisait partie de ces femmes enceintes. La cour vous remercie, madame. Docteur Johannes Leptius, vous êtes allemand et l'auteur d'un rapport exhaustif sur les massacres d'Arménie. Ce rapport resta secret jusqu'à la fin de la guerre à cause de l'alliance germano-turque. Je vous demanderai de limiter votre déposition à la question. Les horreurs que l'on nous décrit dans les massacres de 1915, se sont-elles généralement passées ainsi? Et les épreuves personnelles subies par l'accusé, sont-elles crédibles? Monsieur le Président, de tels récits aux détails réalistes et vécus ont existé par centaines. Ils ont été publiés par des revues allemandes, anglaises et américaines. Et les faits sont indiscutables. Seules des méthodes brutales, qui paraissent incroyables en plein XXe siècle, ont permis aux Turcs d'exterminer plus d'un million d'êtres humains en si peu de temps. La déportation des Arméniens a été décidée par les autorités turques et exécutée en avril 1915 sous la direction de Talat Pacha, ministre de l'Intérieur, et de Enver Pacha, ministre de la Guerre. Monsieur le Président, puis-je demander aux témoins si la raison de ces massacres était d'ordre religieux? Ce fut plutôt un trafic religieux. Puisque les principaux responsables, Talat, Enver, Cemal et Nazim, étaient totalement athées. Leur idée chimérique se résumait exclusivement à un vaste empire turc islamique. Détruisant tout ce qui n'était pas purement turc. C'est exact. D'ailleurs, le mot-clé apparaît dans un ordre lancé par Talat Pacha. Le but de la déportation est le néant. C'est-à-dire une destination d'où l'on ne revient pas. Messieurs les jurés, 1 500 000 morts qui dorment sans sépulture sur les routes de Kharput, Alep, Zeytoun, Trébizonde ou Derzor se dressent aujourd'hui pour vous demander de répondre en votre âme et conscience à cette unique question. Sagamon Télirian est-il coupable d'avoir tué Talat Pacha? En ce moment même, les rescapés d'un peuple assassiné, dispersés aux quatre coins du monde, au hasard d'une terre d'asile, ont les yeux fixés sur vous. Et dans 1000 ans, messieurs les jurés, on parlera encore de votre sentence. Ce n'est pas une vraie maladie, Azad. Ça s'appelle la maladie de la mer. Ça passe dès qu'on est sur la terre ferme. Alors, Télirian, il a été condamné ou acquitté? Mais ça, je ne peux pas vous dire, monsieur Zakarian.
C'est un journal allemand. Eh, mais je comprends pas l'allemand. Et tu ne sais même pas lire le titre. Das Schopfengericht Nein. Nein. Ça veut dire non. Mais non, à quoi? Ça, je peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle allemand ici? Hago! Saben! Nous étions sur le même bateau? Eh oui, mais moi je continue. Tu as choisi la France, c'est définitif? C'est définitif, oui. Et toi? Moi je vais au Venezuela. Mais tu as un parent, des amis qui sont là-bas? Non. Non, je connais personne, mais c'est un joli nom de pays pour un célibataire. On dirait un prénom de femme. Venezuela. Agop! Il paraît qu'il y a un homme qui demande à te voir. Il t'attend derrière les grilles du port. D'accord, j'y vais. Allez, Tchadabar! Araxi! J'ai écrit à tout hasard. Jamais j'ai cru que tu recevrais ma lettre. Depuis une semaine, je suis venu tous les matins attendre votre bateau. Et chaque fois, on me disait, pas avant un ou deux jours. Et hier, dans la nuit, j'ai eu comme un pressentiment. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que ce serait pour ce matin. Dis-moi, Abkar, est-ce que Télérian a été acquitté? Personne ne parle allemand ici. Il a été acquitté à l'unanimité. Écoutez-moi tous! Télérian a été acquitté! Télérian a été acquitté! Je suis si content que tu sois là, Abkar. Tu n'as pas changé, tu sais. C'est vrai, monsieur Agop. Surtout quand je ne bouge pas. Allez, je vais vous attendre à la sortie. Zacharian Agop. Oui, monsieur. Zacharian Araxi, né Bouloutian. Zacharian Azad, fils d'Agop et Araxi Zacharian. Adna et Gayane Bouloutian. Ce sont mes deux sœurs, monsieur. Mon vrai premier souvenir d'enfance remonte à ce tampon qui n'en finissait pas de rester en l'air. Les visages de ma mère, mon père et mes deux tantes, tendus vers cet objet, soulignaient l'importance de sa chute sur nos papiers. Thank you.
Devant un guichet grillagé, mon père avait échangé sa belle pièce d'or contre une liasse de papier sale, écorné, et quelques pièces de monnaie terne. Son premier achat fut pour moi, un cornet de glace qui ne tenait pas la promesse du fruit annoncé. Nous sommes en France maintenant. Il n'est pas convenable pour une personne bien élevée de lécher sa glace avec la langue. Venez vite. Là, vous verrez, ça vous fera des souvenirs pour plus tard. Regardez dans la vitrine. Dis-moi que j'ai mal vu. Ce n'est pas croyable. C'est bien ce que j'avais vu. Oui, tout ce qu'il y a de plus. Enfin, ce que tu avais vu. Allez, venez. Nous avons loué. Sœurs, madame. Mais le monsieur qui est venu me voir m'a pas parlé des sœurs, n'est-ce pas, monsieur? Je ne savais pas qu'elles étaient du voyage. Excusez-moi. Oh, moi je veux bien excuser tout le monde, mais en attendant, ça me fait... Et ça me fait 5 locataires au lieu de 3. Tenez, ce petit supplément pour vous dédommager, s'il vous plaît, madame. Remarquez que ce que j'en dis, moi, c'est parce que je veux être au courant de ce qui se passe dans cette maison. Si vous êtes 5, vous n'êtes pas 3. Maintenant que je sais, il n'y a plus de problème. On s'arrangera en fin de mois, pas vrai? Bien sûr. Hey, montez, c'est au quatrième. Voilà, messieurs, dames. Pour la cuisine, venez voir. Partager avec le locataire d'en face, mais uniquement pour faire cuire vos plats, n'est-ce pas? Et ici, ce sont les WC de l'étage. Allez, gassons, les limaçons. Il y en a des gros et des pichons. Allez, gassons, les limaçons. Félicienne, je descends. Allez, gassons, les limaçons. C'est la vendeuse d'escargots. Ah,
Quelle horreur! J'étais comme vous, mais je vous assure que c'est très très bon. Dis-moi, Abkar. On embauche là où tu travailles? Bon, sûrement. Je travaille au raffinerie de sucre Saint-Louis. Pourquoi vous me demandez ça? Pour moi? Oh, ce n'est pas un endroit pour vous, monsieur Agop. Surtout dans la section où ils embauchent. Zacharien est fils, le plus grand armateur de la mer de Marmara. Vous voyez bien que ce n'est pas un endroit pour vous. Et c'est où un endroit pour moi? Écoute-moi bien, Abkar. La grande maladie de l'exilé, c'est la nostalgie de ce qu'il a perdu. Ça commence par des mots qui pleurent, qui grignotent le cœur, qui le ramènent en arrière pour lui rappeler qui il était, ce qu'il est devenu. C'est un luxe d'artiste, la nostalgie. Mais on a besoin des mots qui font vivre. Alors demain, quand tu auras ton usine, je viendrai avec toi. Reviens à table tout de suite. Dis, maman, qu'est-ce que c'est, un Arménien? Je t'ai dit de rentrer à la maison. Sérieux, ils sont pas tous comme ça. Alors, Abkar, c'est comment Marseille? Marseille, c'est une grande ville par rapport à d'où nous venons. Alors forcément, il y a de tout. Du très bon et du moins bon. Ouvrez-moi, Abkar. Les locataires d'en face sont en train de dîner devant le fourneau. Je n'ai pas osé les déranger. Mais ils t'ont vu avec ton plat? Je ne sais pas. Oh, ils ont dû me voir parce que je suis restée un moment dans l'encadrement de la porte. Ou alors, ils ont fait semblant de ne pas me voir. La logeuse nous a bien dit que nous devions nous servir de la cuisine à tour de rôle juste pour la cuisson. Oui, nous devons prendre nos repas dans nos chambres. Alors, je ne comprends pas. Excusez-nous, messieurs, dames, s'il vous plaît. Reste assise, ne bouge pas, t'as compris? Non, mais sans blague, ils vont pas venir faire la loi chez nous, non? Nous sommes encore en France. Antoine, ne te mets pas dans cet appareil, reste calme. Je me calme si je veux. Et ceux qui sont pas contents d'être chez nous, eh bien, retournent à l'envoyeur. Ils repartent d'où ils viennent, c'est clair. Être réduit à la mendicité parce qu'il n'y a rien à manger dans la gamelle, ça doit être horrible. Une gamelle pleine et immangeable pour cause de cuisson. Je crois que je n'ai jamais rien vu de plus stupide. Des mendiants de feu. À vos bons cœurs, messieurs, dames, vous n'auriez pas un peu de fourneau, un petit morceau de four, s'il vous plaît? Un morceau de four. C'est, je crois, ce qui avait déclenché l'idée de la boulangerie. Pardon, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que vous accepteriez ce plat dans un petit coin de votre four? Nous n'avons rien pour le faire cuire. Première porte à droite. Attendez-moi au fond du couloir. Je vais vous ouvrir. Merci. À quelques étages d'une France hostile, nous venions de découvrir une France plus cordiale et un petit bout d'amitié dans le fournil d'un boulanger. Azad, encore un tout petit morceau. Non, merci, tante Anna. Juste celui-là. Regarde comme il est tendre. Il va fondre dans ta bouche comme du beurre. Je n'ai plus faim, tante Anna. Et je vois bien. Personne n'a faim. Vous n'avez presque pas touché à ce gigot. Il n'était pas bon. Il est superbe, mademoiselle Anna. Tout à l'heure, quand je l'ai vu sortir du four, ce gigot, enveloppé de sa croûte brune et sa chair rosée à l'intérieur, avec tout autour les pommes de terre rissolées, les tomates et les poivrons roussis par le beurre, j'ai cru que j'allais le manger en entier à moi tout seul. Et puis, ça passe pas. Bien, bien. Allons respirer un peu d'air.
Dis-moi, Abkar. J'étais avec mes frères en déportation. Oui, monsieur Agop. J'étais avec eux. C'est vous qui aviez raison. Ce dimanche, à la sortie de l'église, quand le crieur public convoqua tous les Arméniens mâles à la gendarmerie pour le lendemain matin, vous avez dit « Il faut fuir tout de suite, sans pleurer sur ce qu'on laisse derrière soi. » Vos frères, Aram, Miran et Onik, sont restés pour sauver les biens des Acariens et fils. Ils ont perdu les biens et la vie. Heureusement, il vous reste un morceau de la famille. Le café est prêt. Allez, il est temps d'aller te coucher, toi. Ça fait du bien de vous retrouver. De père en fils, nous avons toujours travaillé chez les Acariens. Et jamais vous nous avez fait sentir que vous étiez les patrons. Ne dis pas de bêtises. Dites, Abkar, vous connaissiez le fils de monsieur Papazian, le docteur Vasken Papazian, de Paris. Oh là là, si je le connaissais. Il a été formidable. Il était avec nous le lundi matin de la convocation. Nous étions 4 ou 5 000 devant la gendarmerie. Notre vieil évêque s'élopait en tête. On nous a dit qu'il s'agissait d'un petit mouvement de population pour des raisons de sécurité militaire. Ils ont promis des charrettes à la sortie de la ville pour 200 livres par tête. Et ceux qui avaient ont payé pour ceux qui n'avaient pas. Au bout de 2 heures, quand on a réclamé les charrettes, les gendarmes se sont mis à rire. Des jours et des jours, nous avons marché sous le soleil brûlant et dans la poussière sans manger ni boire. Nous avons croisé des convois venant de Kharput, Bursa, Izmit, Adapazaj et Trebizond. Ils arrivaient de partout par milliers. Nous sommes passés devant des centaines et des centaines de cadavres sans tête. Le commandant des troupes turques avait fixé à 600 livres chaque tête d'Arménien. Et le plus insupportable, c'était les hurlements des enfants que les gendarmes turcs attachaient deux par deux pour les précipiter du haut des rochers dans l'Euphrate. Et les hurlements des mères qui perdaient la raison. Il y en a même une folle de douleur qui s'est mise à danser, danser, danser. Et le père Sérope, qu'est-ce qu'il est devenu? Pour le ridiculiser, les gendarmes turcs l'avaient déshabillé. Il était beau, le vieil homme, avec sa grande barbe blanche, marchant tout nu. Je croyais que les autorités supérieures ignoraient ce qu'on nous faisait subir. Et que tous nos malheurs venaient des gendarmes qui nous encadraient.
Alors quand le gouverneur Jeff Dead Bay passa devant notre convoi, je me suis mis à hurler. Jeff Dead Bay ! Laissez-le ! Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux ? Je m'appelle Arkal, votre excellence. Je voudrais respectueusement, excellence. Je voulais que vous sachiez qu'on nous assassine. Nous étions des milliers et des milliers. Nous ne sommes plus que quelques centaines, à bout de force. Et les pieds en sang. On m'a donné des chaussures neuves, Abkar. Des chaussures inusables. Et pour les autres, excellence. Tu leur montreras la tienne. Et si le modèle leur plaît, on leur offrira les mêmes. Merci, excellence. Comme un animal. Les gendarmes turcs m'avaient ramené dans mon convoi. À chaque pas, c'était comme si 100 000 aiguilles me perçaient le cœur. Mais en même temps, quelque chose de plus fort me poussait à rester vivant pour dire que j'avais vu l'enfer. D'un convoi de plusieurs milliers de déportés, nous n'étions plus qu'une centaine qu'ils avaient gardés vivants pour prouver au consulat étranger que c'était un simple déplacement de population. La dernière ville que nous avons traversée était Alep. Après Alep, c'était le désert et la mort par la soif. Je vois une grande, une immense nappe d'eau. C'est une tromperie de l'imagination. Ça s'appelle un mirage. À force de rêver d'eau, on finit par la voir, cette eau. Mais ce n'est qu'une apparence. J'ai autant faim que soif. C'est pas pour ça que je vois des moutons rôtis. Même en apparence, je vous dis que c'est de l'eau. C'est étendu de repartir à nos amis kurdes qui ont la bonté de vous en vendre un peu. Ceux qui en veulent boire, c'est 100 livres par tête. Vous savez très bien que nous n'avons plus rien, puisque vous nous avez tout pris. Mais cette eau là-bas, elle n'est ni aux Kurdes, ni aux Turcs. C'est l'eau de tout le monde, parce que c'est l'eau du ciel. Alors écoutez-moi, monsieur l'officier. Je m'appelle Vasquel Papazian. Je suis docteur en médecine de la faculté de Paris. Et c'est en tant que médecin qui doit aide et assistance à toute personne en danger que j'ordonne à ces hommes de boire cette eau de pluie.
aussi, j'avais la soif qui me brûlait le corps. Une soif à avaler la mer et ses poissons. Mais pour échapper à la mort, j'ai fait le mort. Je ne devais pas ressembler à un cadavre qui vaut la peine d'être fouillé. Longtemps, je suis resté immobile face à l'insupportable. Les yeux de votre frère Aram. Ces yeux que j'avais vus rire si souvent. Ces yeux avec un air de dire « Mais pourquoi est-ce que je meurs ?» Combien de temps je suis resté dans ce charnier ? Une caravane qui passait par là m'a ramassé. C'était aussi des Turcs. Ou des Kurdes. Mais pas les mêmes. De tout ce monde, je suis le seul revenu. Moi qui ne sers plus à rien. Avec ce corps déglingué qui tiendra le temps qui tiendra. Mon idée, c'était revenir de ces routes de la mort pour raconter aux hommes ce qu'un homme peut faire à un autre homme. Ce soir-là, Abkar, au visage de Requiem, venait brutalement de m'arracher au monde des fées et des lutins. J'ai soudain compris que ce bateau fantôme qui devait un jour nous ramener, mes deux grands frères et ma sœur, n'était qu'un mensonge d'amour pour retarder ma peine. Pour tromper la mort, ma famille s'était divisée en deux. Nous étions les vivants par hasard, les autres étaient tombés sur les sables brûlants du désert. Alors, ce soir-là, j'ai perdu mon regard d'enfant. Qui c'est Paris ? Louis Paris. T'inquiète pas, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est, papa ? Ce sont des punaises de lit. Il faut surtout pas les écraser, parce que ça laisse une tache rouge sur le drap, avec une odeur infecte. Elles sont dangereuses ? Sont très embêtantes parce qu'elles ne sortent que la nuit et pour chercher seulement la peau humaine. Dans la journée, elles restent cachées dans les fissures des murs et les joints des meubles. Là, là, regarde, papa. Ils sont quand même pas des millions. Quand nous les aurons toutes tuées, ça sera fini. Non, elles sont pas des millions. Mais elles pondent des œufs par centaines et elles se multiplient. Quand tu crois qu'il y en a plus, il y en a encore. Mais il faut se plaindre à Adam que nous payons pour la chambre. Surtout pas. Elle est capable de dire que ce sont des punaises arméniennes que nous avons ramenées avec nous. Quoi? Je voudrais ça que un quart de beurre et un kilo de pommes de terre, s'il vous plaît. Ah, ils sont tout frais, mes œufs. Ils sont tout frais du jour. Vous pouvez même vous les faire à la coque. Pardon, madame. Nous sommes étrangers. Quelle est la plus grande école de Marseille? C'est pour mon fils. Voilà. Et des écoles, il y en a beaucoup à Marseille. C'est pas ça qui manque. Ça dépend pour apprendre quoi. Vous avez l'école communale de la rue Sylvabel.
Mes petits, c'est là qu'ils ont été, jusqu'à 12 ans, pour le certificat d'études. Et maintenant, pour vous dire quelle est la plus grande école. Oh! Attendez. Oh, Fernand! Fernand, tu es là? Eh oui, je suis là, je dors. C'est juste pour te demander une chose. Qu'est-ce que tu répondrais si on te demandait quelle est la plus grande école de Marseille? Je répondrais le collège Saint-Hilaire. Le collège Saint-Hilaire. Évidemment, c'est ce qu'on fait le mieux. Il en a de bonnes, lui. J'y ai bien pensé, mais je me pensais aussi que c'était pas pour vous. Remarquez, j'ai jamais su combien, mais je peux vous dire que c'est pas donné. Ça, je peux vous le dire. Tandis que la communale, le lycée, tout ça, c'est gratuit ou presque. Et tiens, Thérèse, le fils Mercier va bien au collège Saint-Hilaire. Oui. Vous savez pas par hasard combien ça coûte pour aller à cette école? Oh là là, c'est pas des choses qu'ils discutent avec leur cuisinière, hein. Mais quand je vais chercher le fils certains soirs, vu les fourrures, les voitures, les chauffeurs et les nurses qui attendent devant l'école, on voit bien que nous sommes pas l'assistance publique, hein. Ah mais tiens, il y en a un qui pourrait mieux vous renseigner. Monsieur Hugues, le pharmacien. Son neveu Sébastien, il va à ce collège. Collège Saint-Hilaire, préparation au baccalauréat, instruction religieuse. Monsieur Hugues, le pharmacien de première classe, avait parlé du collège Saint-Hilaire en francs par trimestre. Ce chiffre n'avait aucun sens pour moi. L'argent était une notion qui se limitait aux 8 boutons de la robe de ma mère qui couvraient chacun une pièce d'or. Elle en avait arraché un sur le quai à notre arrivée à Marseille, et puis un deuxième, hier après-midi, pour nous installer un petit coin cuisine hors d'atteinte de notre braillard de voisin. Si j'ai bien compris, il y a des écoles où on ne paye pas et des écoles où on paye. Oui. Moi, il me semble que si c'était aussi bien là où on ne paye pas, il n'y aurait personne là où on paye. Je suis plutôt de l'avis d'Anna. Parce que l'école gratuite, ça fait un peu instruction par générosité, œuvre de charité pour indigents. Alors forcément, on n'aurait pas tellement le droit d'être difficile. Moi, je sais que j'hésiterai pas. Je l'enverrai au collège, puisque c'est ce qu'on fait de mieux. Gaïalé, tu sais quel est le prix de ce qu'on fait de mieux, comme tu dis? Non, nous ne le savons pas encore. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Notre décision ne doit pas être influencée par des choses secondaires. D'accord. Nous avons tous envie que notre Azad aille au collège Saint-Hilaire. Mais il faut que tu saches que ce que tu appelles les choses secondaires, c'est par trimestre et sans compter les fournitures scolaires. Oui. Je voulais aller au petit coin. Eh ben, vas-y. Tu crois qu'il entendait? Oh, bien sûr, il était derrière. Le collège Saint-Hilaire devint une véritable obsession familiale. Quant à moi, mes ambitions étaient à la hauteur de mes déguisements en aviateur, conducteur de tramway ou chauffeur de limousine. J'avais 7 ans et je n'étais pas Mozart. J'avais accompagné Maëric, Anna et Kayane dans leur longue marche à travers les rues commerçantes de la ville. Mes trois mères ne regardaient dans ces étalages que les écriteaux qui offraient des emplois. Mais chaque fois, on exigeait une spécialité. On recherchait bien des caissières, mais elles devaient être expérimentées. On demandait des facturières qualifiées. La garde-robe plus que limitée de Maëric, Anna et Kayane les excluait des places de vendeuses où l'on exigeait une excellente présentation. Je me souviens de la vitrine d'un grand magasin où des mannequins articulés, imitant des corps humains aux mensurations idéales, tentaient de convaincre les passants aux formes plus généreuses que la même silhouette leur était assurée. Mais le English spoken sur la vitre de la devanture découragea une fois encore ma trinité de mère. Et puis,
Le miracle se produisit au numéro 4 de la rue Rouvière. L'annonce était suffisamment vague pour nous convenir. Regardez, ouvrière avec un S, c'est qu'on en demande plusieurs. À domicile, ça veut dire que nous pourrions travailler toutes les trois à la maison. Vas-y, Araxi. J'y vais. J'y vais. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est pour la petite annonce de la vitrine. Vous êtes chemisière, madame ? Nous sommes trois sœurs. Si vous nous confiez un modèle, nous vous promettons d'exécuter un travail absolument identique. Entrez donc, madame. Ouvrez la porte. Les minutes qui suivirent me parurent interminables. Après tant d'années, je me souviens encore des regards pleins de détresse de Tantana et Kayane, pour qui l'histoire des Acariens se confondait avec celle de la Terre qui s'était arrêtée de tourner en attendant ma mère qui n'en finissait plus de sortir. Quand la porte de la chemiserie s'ouvrit enfin, Maïrik tenait dans ses bras un paquet qu'elle n'avait pas en entrant. Je n'ai rien oublié de cette nuit-là. Tout le long de mon sommeil agité par mes visiteurs punaises des lits, chaque réveil me ramenait à notre cage misérable et ses trois fantômes. Maïrik, Anna et Kayane, mes trois maris pleines de grâce, aux doigts déchiquetés par l'aiguille, qui par des milliers de petits points avaient remplacé la machine à coudre qu'elles ne possédaient pas. Elles n'auront connu de ce monsieur CHE que ses initiales brodées à gauche de sa poitrine. Pourquoi on m'amène ici tous les jours ? C'est pour te faire changer un peu d'air. C'est comme si c'était des petites vacances. Dis, Maïrig, pourquoi on ne voit plus Abkar ? Il est parti à la montagne, soigner ses poumons. Tu te souviens, Tante Anna avait toujours sa tasse à café, à l'eau très très bouillante. Un jour, elle a même dit qu'elle n'aimait pas sa façon de tousser. Tiens, va t'acheter quelque chose. Non, merci. J'ai envie de rien. Beaucoup plus tard, j'ai appris que Abkar avait la tuberculose. Un mot que l'on ne prononçait pas, ou alors à voix très basse, comme pour éviter la contagion. C'était une maladie honteuse, car les docteurs, en ce temps-là, ne savaient pas la guérir. Tu veux louer une bicyclette ? Pendant une demi-heure, par exemple ? Oh là là, ça se voit que tu n'as pas regardé combien ça coûte. Combien ça coûte ? 2,75 francs de l'heure. Ça fait rien. Je ferai 20 boutonnières de plus et voilà tout. Je ne crois pas qu'elle loue ses bicyclettes contre des boutonnières. Mais non, nous faisons des boutonnières pour le chemisier qui nous paye. Avec cet argent, on fait ce qu'on veut. On peut payer le pain, la viande, tu montes à bicyclette. Ça ne regarde personne. Tiens, on peut même t'inscrire au collège Saint-Hilaire. Tu es content ? Oui, très content. Étant donné qu'il fallait 20 boutonnières à la main pour une demi-heure de bicyclette, depuis cet après-midi-là, j'évaluais les choses par 10, 100, 1000 ou 10 000 boutonnières. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit qui précédait la rentrée des classes. La veille au soir, j'avais secrètement jeté dans notre poubelle tout le bric-à-brac de mes naïfs jouets de l'époque. Ce matin-là, j'ai écouté avec une certaine griserie le passage des éboueurs qui emportaient avec les ordures ménagères mes empêcheurs de grandir.
Azad. Je me souviens de ce baiser. Je crois bien que je l'avais un peu écourté parce qu'il piquait et sentait la sueur. Je n'avais pas deviné, derrière le teint pâle de cet homme aux grosses rides et aux poches sous les yeux, une longue nuit d'usine au tarif double pour un petit bout de collège Saint-Hilaire. Allez, Azad, on compte sur toi. Je savais que les choses se passeraient comme ça. Pour m'élever au niveau de mes futurs compagnons, on m'avait déguisé avec des pures laines garanties, véritables Shetland et cuir de premier choix. Mais il se dégageait de mon élégance des relents d'imposture. Mes camarades, avec leurs cotonnades et leurs souliers à clous, pouvaient se permettre d'afficher l'insolence d'une moins bonne qualité sans que leur rang social soit mis en doute. Ici, je garde cette place pour Alexandre qui va arriver. Asseyez-vous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et que vous êtes tout à fait prêts pour une bonne année scolaire. Oui. Bien, nous allons commencer par l'appel. Alexandre Pagès. Présent. Arnaud Régis. Présent. Raymond Mercier. Présent. Frédéric Chabot. Présent. Vincent Fabre. Présent. Les noms en bleu, blanc, rouge défilaient sans ordre alphabétique. Le mien pouvait arriver à tout instant. Marc Fouchard. Présent. Xavier Delfour. Présent. François Genier. Présent. Pierre Bonifay. Présent. Thomas Bonifay. Présent. Pascal Agostini. Présent. Voilà, c'était sûrement moi. Zakarian. Azad Zakarian. Présent, madame. Dans Azad Zakarian, quel est votre prénom? Azad, madame. Azad, avec un Z? Oui, madame. Et Zakarian, avec un Z aussi? Oui, madame. Asseyez-vous, Zakarian. Ce nom qui les faisait rire était pourtant le plus beau du monde, puisque Azad, dans mon pays, veut dire libre. Et l'Arménien en a fait un prénom. J'ai dit Pierron. Vautier. Tourade. Méron. Saint-Gini. Mézard. Quézin. Florent. Tessert. Mon seul mérite fut de comprendre dès le premier jour que jamais on ne m'accepterait dans ce club des fœtus célèbres. Alors, devant cette inaccessible camaraderie d'école, j'ai renoncé à leur plaire ou à leur déplaire. J'ai appris à vivre en diète d'amitié. Tu les as bien réussi, Anna. Alors, raconte. J'ai eu 18 sur 20 en histoire naturelle. Déjà ? 18 sur 20 ? En faisant quoi, c'était ton premier jour ? Vous n'avez ni devoir ni leçon à apprendre.
On étudiait les insectes. La maîtresse a demandé « Qui est-ce qui peut me donner un nom d'insecte piqueur ?» Et comme personne ne répondait, moi je dis « La punaise des lits ». Tu n'as pas dit qu'il y en avait à la maison au moins. Mais non, j'ai fait celui qui a lu dans les livres. En histoire naturelle, on appelle cette punaise Simex lectularius. J'aurais jamais pensé que la punaise des lits, ça s'apprenait à l'école. Dis-moi, Azad, et avec tes camarades? Pour répondre à cette question, j'ai menti. Tout le monde m'a invité. J'ai menti en sublimant la sordide vérité. Il est si facile de tromper ceux qui ont tant envie de croire. Et puis il y a une grande... Ce soir-là, mon père reprit le chemin de sa longue nuit d'usine, le visage épanoui et fier d'un fils qui venait d'être intégré dans la haute société de la ville. Pendant les 5 ans qui suivirent, j'ai décidé de me priver volontairement de récréation pour limiter strictement mes rapports avec mes chers camarades à un voisinage de cour. Et puis, j'ai fini par aimer la douceur de ma classe, vidée de ses turbulences. Je n'ai pas aimé l'abbé Pignon dès sa première apparition. Il avançait, le nez collé à son bréviaire, si étroitement enchaîné à son texte qu'il semblait détaché du monde des vivants. Sur son chemin parsemé de pierres, ses pieds slalomaient adroitement selon un trajet sinueux idéal pour éviter chaque fois l'obstacle. Alors, où il lisait son bréviaire, où il surveillait ses pieds, j'optais pour l'évidence, il faisait semblant de lire et il surveillait ses pieds. Je n'avais pas aimé l'abbé Pignon, mais il me le rendit bien, en me condamnant à un petit enfer personnel à 5 ou 6 rangées derrière les autres. Jésus-Christ a fondé sur la terre l'Église catholique en disant à Saint-Pierre, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Régis, peut-on se sauver hors de notre Sainte Église catholique, apostolique et romaine ? Nul ne peut se sauver hors de l'Église catholique. Monsieur. De quelle église il est, Zacharia, monsieur? Je sais bien aujourd'hui que j'aurais dû répondre. Je suis de cette église qui, 17 ans avant Rome, avait bâti sur les ruines des temples païens la première basilique du monde, à Etchmiadzin, dont le nom sonne comme un alléluia et signifie « le Fils de Dieu est descendu ». J'aurais dû répondre tout cela face à ce tribunal inquisiteur qui réclamait mon casier judiciaire de chrétien. Puisque vous voulez savoir de quelle église je suis, je vais vous le dire. Je suis de l'église où on ne dit jamais du mal des autres églises. Et ça suffit maintenant. Ici, c'est moi qui enseigne le catéchisme. Nous ne sommes pas en Arménie. Et puis sortez! Mon audace se mit à cogner dans ma tête. Toute la journée, j'ai attendu la phrase fatidique. Zacharian, chez monsieur le directeur. Mais rien ne se passa ce jour-là, ni les jours suivants. On fit semblant d'ignorer l'incident, ainsi que mon absence systématique en classe de M. l'abbé Pignon. Beaucoup plus tard, j'ai lu chez Bernanos « Le prêtre médiocre est laid ». Pendant les quelques années qui suivirent, on fit aussi semblant d'une grande fraternité scolaire, en m'intégrant chaque fois dans la photo de fin d'année. Zacharian, venez ici. Sur le plan des études, je fus très honnêtement classé dans les 8 premiers, un rang qui présentait en outre l'avantage de ne soulever aucune tempête de jalousie. Attention. 1, 2, 3. Ce fut l'année aussi où, à condition de rester sur le trottoir de droite de la rue Paradis, on m'avait autorisé à rentrer seul de l'école. Mademoiselle Gaïané mérite tellement d'être heureuse.
Et notre cher Garbi se sera un si bon mari que cette affaire va se faire, je vous le dis, moi. J'ai toujours porté bonheur dans ces cas-là. Mais ne tardez pas trop à me donner une réponse. Que je puisse prévenir ce garçon qui doit venir de Valence. C'est quand même pas la porte à côté. Que Dieu veille sur ses enfants. Et comme l'on dit chez nous, qu'ils vieillissent sur le même oreiller. Que de fois j'avais entendu ce souhait oriental à propos des mariages. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi Dieu devait veiller sur cette désagréable obligation de partager le même oreiller dans une commune transpiration. Ah, Zad, mon chéri. Oh mon Dieu, quel bonheur. J'étais tellement triste de partir sans t'avoir embrassé. J'en ai le cœur tout retourné de joie. Tiens, regarde si je mens. Tu sens mes battements de cœur? L'énorme masse gélatineuse de son abondante poitrine flasque dressait un barrage sur le chemin des palpitations de son cœur enrobé de graisse. Oui, madame, je le sens. Oh, mon Dieu, j'allais oublier l'essentiel. Madame Araxi, mademoiselle Anna, vous êtes là? Oui. Nous sommes là, madame Tacoui. J'ai oublié de vous laisser la photo de Garbis. Bien entendu, ce garçon n'est pas au courant de mon intervention. Ça sera notre petit secret. Tiens, Azad, tu la donneras à ta maman. Ça m'évitera de remonter les étages. À cet âge-là, le mariage se limitait pour moi à une distribution d'amandes enrobées de sucre bleu ou rose dans des petits sachets transparents. Je venais de découvrir qu'avec les dragées, il y avait l'inacceptable intrusion d'un homme qui viendrait de Valence perturber l'équilibre de ma trinité de mère. Je n'aime pas cette madame Tacoui. Avec ses flatteries mielleuses qui vous collent tellement à la peau qu'on a envie de se laver les mains. Moi non plus, je ne l'aime pas. Mais on ne nous demande pas d'épouser madame Tacoui. Vous complotez des histoires de mariage parce que vous n'osez pas me dire que je suis trop dans cette maison. C'est bien, je partirai. Mais j'ai pas besoin d'un mari pour ça. Regarde notre Anna. Regarde-la bien. Avec ses cheveux gris et ses renoncements. La sacrifiée heureuse. Qui ne s'est pas mariée pour élever ses sœurs. Parce qu'elle avait juré à la mort de notre mère. Toi, tu ne dois rien à personne. Et tu es en train de prendre le chemin d'Anna. Nous grignotons ta vie de femme pendant que tu te prépares plein d'années de regrets pour plus tard. Alors je te dis, Kayane, vois ce garçon. Et si tu le trouves bien, alors va-t'en, va-t'en vite. Pendant qu'il est encore temps. Et je suis très heureuse comme ça. Il est inutile d'inventer des malheurs là où il n'y en a pas. Il neigeait sur Marseille. Une de ces neiges que de mémoire de Marseillais, on n'avait pas vu depuis 40 ans au moins. Ouvre la bouche, tire la langue. Fais A. Très fort. Allez, tourne-toi. Respire. Respire plus fort. Encore? Dis 33. Tous? Madame, si je pouvais n'écouter qu'une seule poitrine à la fois, ça m'aiderait beaucoup. Oh, pardon. Allez, tous, mon bonhomme. C'est bien, mon petit.
J'ai combien de fièvre? 38 et quelques. Mes trois mères trichaient avec ma température. On m'annonçait tantôt un 38 plutôt fort, tantôt un pas tout à fait 39, pour ne pas dire presque 40. Qu'est-ce qu'il dit, le docteur? Le docteur a dit que tu es en train de guérir. C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? C'est pas vrai parce que quand on guérit dans notre maison, tout le monde guérit en même temps. Pour le moment, vous avez tous des têtes de malades. Allez, dors. Cataplasme brûlant toutes les heures, 24 heures sur 24. Le docteur Philibert avait insisté sur le côté impératif de cette application jour et nuit. En ce temps-là, c'était la seule façon de combattre ma maladie. Une pleurésie de la plus méchante espèce. Il paraît qu'il y a des pleurésies qui sont sèches. Mais notre pleurésie à nous, elle est en plus... sérofibrineuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un liquide qui monte dans le poumon. Ça peut aller jusqu'à plus de 2 litres. À un moment donné, il faut retirer par ponction, avec une seringue. À moins qu'on sèche ce liquide par la chaleur des cataplasmes. On le séchera, Raxi. On le séchera. Ma pleurésie était devenue leur pleurésie. C'était dans leur poumon que le liquide grimpait et qu'elles essayaient de résorber par la chaleur des cataplasmes. Maëric, Anna et Kayane, mes plurielles de mère, toutes trois confondues dans la même tendresse. Je sais, aujourd'hui, que l'on s'aimait de naissance. Aïe! Le docteur a dit brûlant, à la limite du supportable. Eh bien, justement, c'est pas supportable. Au début, ça donne cette impression. Mais après, on s'habitue. Regarde, c'est supportable. Ordi, les mains, ça supporte. Mais la poitrine, c'est pas pareil. Regarde. Même sur la joue, ça fait pas mal. Égoïsme inconscient de l'enfance, pour les 300 cataplasmes qui suivirent, j'avais exigé chaque fois les joues de Kayane comme garantie du supportable. Un soir, le docteur Philibert est venu avec un autre docteur, le docteur Charlot. Malgré ce nom qui m'avait tant fait rire, j'ai tout de suite compris que c'était pour pomper l'eau de mon poumon avec une grosse seringue. C'est ce soir que vous allez me piquer? Et qu'est-ce qui t'a dit qu'on était venu pour ça? La boîte de mécano que ma mère m'a apportée cet après-midi, avec 3 mois d'avance. Ça devait être mon cadeau de Noël. Et puis mon père, c'est la première fois qu'il ne part pas pour l'usine. Dis-moi, mon petit bonhomme, tu sais que tu vas être obligé de rendre ta boîte de mécano. Tu sais pourquoi? Eh oui, je sais. Parce qu'il n'y aura pas de piqûre. Ah bon? Tu savais qu'on venait pour te piquer, tu sais qu'on te pique plus, tu sais tout, quoi. Hein? Mais non, je ne sais pas tout. Mais depuis que vous me tapez sur le dos, ça sonnait mat du côté malade, ça sonnait creux du côté pas malade. Ce soir, ça sonne creux pareil des deux côtés. Alors peut-être que je suis guéri. Eh ben oui, tu es guéri. Je me souviens de leur visage ce soir-là.
Ma mère aux prunelles éteintes. Tante Anna aux cheveux emmêlés, qu'aucun peigne n'avait effleuré depuis ma maladie. Kayane avec sa pauvre figure calcinée par mes cataplasmes. Et mon père, qui avait bien vieilli. Ils semblaient tous sortir d'un musée de cire. En rupture avec le présent, ils ne réalisaient pas que j'étais guéri. Un médecin est toujours heureux de vaincre la maladie, mais sans votre acharnement, j'aurais rien pu faire. C'est votre victoire, ça. Et vous le ramenez de loin. Bon, je viendrai dans 2 jours, on va remettre ce petit jeune homme debout. En attendant, vous lui donnez ses fortifiants. Et on arrête les cataplasmes. Ma maladie avait retardé la rencontre avec le candidat futur mari de ma tante Kayane. L'entremetteuse, Dame Takui, proposa le bal annuel de bienfaisance pour nous présenter son protégé, le serrurier de Valence. Notre Kayane affronta le grand rendez-vous avec un visage qui gardait encore les séquelles de mes cataplasmes brûlants et une robe un peu trop large qui noyait les promesses du corps. Oh ! Oh, mes chéris, que nous sommes contents de passer cette journée avec vous. Vous savez ce qui est arrivé à notre cher Garbis? Il vient d'être nommé contremaître de son atelier, avec bien entendu une grosse augmentation de salaire. Il s'est spécialisé dans les serrures à accroche. Les serrures, je me rappelle jamais du mot. Dis-le toi, Garbis. Les serrures incrochetables. Mais qu'est-ce que c'est une serrure incrochetable? C'est un progrès colossal, aussi important que la sonnette électrique qui a remplacé le vieil heurtoir de nos grands-mères. Monsieur Vasquen, entrez. Tenez, mademoiselle Kayane, pour Azad, pour plus tard, avec tous mes vœux. Et ça, c'est pour vous. Oh, monsieur Vasquen, il ne fallait pas. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a aucune raison. Il faut toujours offrir les livres sans raison, comme un prolongement d'amitié. Tenez. Alors, pour l'amitié. Merci beaucoup. C'est beau, hein? On dirait que ça sent la France. Ça parle de quoi? D'amour et de mort. C'est une histoire triste, alors? C'est un très beau livre. Triste. On utilise surtout ces serrures pour les portes-palières des appartements. Le système de fermeture est constitué par le pin dormant qui affleure la têtière en position de serrure ouverte et saute sous l'action de la clé en position de serrure fermée. La clé qu'on rentre par le trou du canon rencontre dans son mouvement de rotation la gorge maintenue par la paillette et la soulève pour la dégager du pin. Une fois le mouvement terminé, la gorge reprend sa place dans un deuxième cran sur le pin. Après, inutile de toucher la clé, parce que le paneton est fendu et passe au travers d'une pièce en tôle que nous appelons la planche. Merci beaucoup, mais je ne sais pas danser. Même pas un petit peu? Oh là là, encore moins qu'un petit peu. Bon, c'est pas grave. À tout de suite. Merci, Anna. Nous devons aller saluer quelques amis que nous n'avons pas vus depuis si longtemps. À tout à l'heure. Garbis ne revint pas à notre table,
Nous n'avons plus revu Madame Takui. La rencontre avait été sans suite. L'homme de Valence en préféra sans doute une autre. Quant à Kayane, j'ai toujours pensé qu'elle avait souhaité ce dénouement. J'espère que maintenant, on ne m'embêtera plus avec ces choses-là. Et Kayane resta mademoiselle. Kayane, ma grande mademoiselle, qui lentement s'estompa dans le joli gris du temps qui passe. Sauf une fois, beaucoup plus tard. Son visage s'empourpra couleur pudeur pour me parler d'un livre qui était fatigué d'être lu et relu et d'un certain docteur Vasquen Papazian, mort sur les routes du génocide. Madame Nantaram, on venait de bien loin pour voir le café des Caloustians. En réalité, c'était pour se faire prédire l'avenir. Hein. Monsieur Atamian, qui avait fait ses études à Paris, me disait que vous étiez la Madame Nostradamus du Mar de Café. C'était une exagération. Hein. Nantaram, tu avais une très très grande réputation. Parce qu'on se souvenait des fois où j'ai tombé juste. Et on oubliait tout ce que j'avais prédit et qui n'arrivait jamais. Allez, Madame Antaram. Merci. Amant, de toute ma vie, je n'ai jamais vu dans une même tasse autant de bouleversements. Et dans un temps si court. Un, deux, trois. Il y aura au moins trois changements. Des changements en bien ou en mal? En bien. En très, très, très bien. Les trois signes sont nettement ouverts. Là. Un, deux, trois. La vieille Madame Antaram avait prédit juste. Dans la même année, nous avons d'abord changé de maison. Chacun sait que c'est en brodant des boutonnières à la main, à 10 sous la boutonnière, que l'on fait fortune. C'est ainsi que nous avions fini par louer une échoppe au numéro 168. Cette progression du 109 au 168 vers la partie glorieuse de notre rue et le nom de mon père peint sur la porte représentait pour moi le sommet de la réussite. Ce qui est bien avec notre porte métallique, c'est que nous prévenons toute la rue qu'on va se coucher ou qu'on vient de se lever. J'ai essayé toutes les huiles et les graisses. C'est de l'intérieur que le rouleau est rouillé. Mais il devait faire le même bruit avant nous, alors les gens sont habitués. Tu ne vas pas à l'usine ce soir? Ton père n'ira plus à l'usine. Tu es malade? Je ne me suis jamais porté aussi bien. Ah, j'ai quitté le sucre pour entrer en chemiserie. Tu sauras? Ça fait 3 ans que je fais des emmanchures. Chaque fois, ta tante Anna les a défaites pour les refaire dès que j'avais le dos tourné. J'ai toujours fait semblant de ne pas m'en apercevoir. Et puis un jour, elle les a plus refaites. Donc je suis diplômé de tante Anna. Mon père n'irait plus à son usine de nuit. Nous allions enfin vivre aux mêmes heures. Ce fut la deuxième prédiction de la vieille Madame Antaram. Le troisième bouleversement, annoncé dans le Mar de Café, se produisit devant le cinéma Rialto. Tu sais combien de fois je l'ai vu ce film? Non. 7 fois. Mais si ça te fait envie, je le reverrai bien encore une fois avec toi. T'as vu combien ça coûte? T'occupe pas. Je te remercie, mais je veux pas que tu payes pour moi. Mais qui te parle de payer pour toi? Je peux même pas payer pour moi. Suis-moi.
Tu vois cette porte en bas? Oui. Eh bien, derrière cette porte, c'est la salle de cinéma. Dès que le film a commencé, on rentre dans le noir, ni vu ni connu. Allez, viens. Vous partagerez la chambre avec moi? Oh, je vous remercie, je suis enchantée. Vos seigneuries veulent-elles se retirer maintenant? Et ça, qu'est-ce que c'est? Derrière ce mur, c'est l'écran. Ça, c'est la derrière du haut-parleur. Dis-moi vite le début de l'histoire. Ça se passe en Suède, il y a très longtemps. L'ambassadeur d'Espagne s'est arrêté dans une auberge, sous la neige, où toutes les chambres sont occupées. Alors, l'aubergiste lui propose de partager le lit d'un gentilhomme qui vient de louer la dernière chambre. Je vous souhaite une bonne nuit, messieurs. Je sais que vous dormirez bien. On m'a toujours fait compliment de cette chambre. La chambre est bien tenue, n'est-ce pas, aubergiste? Dis-moi, monseigneur, jamais personne ne s'est plaint. Et voilà, j'ai dit la combine à deux ou trois copains et ils ont dû exagérer. Alors maintenant, ils ferment la clé. Allez, viens, on s'en va. Ne croyez-vous pas, puisque nous allons partager le même lit, que nous devons nous présenter? Je suis Don Antonio, José Miguel de la Prada, Ponce Pimentel, chevalier du Saint-Empire romain, envoyé extraordinaire de Sa Majesté Philippe, roi d'Espagne, d'Aragon et de Castille. Je suis le comte Donna. Comte Donna, mon œil, ça va devenir terrible. Vous ne vous déshabillez pas? Si. Écoute, il se déshabille. Un éperon. L'autre. Première botte. La seconde. Le ceinturon. Le chapeau libère de longs cheveux. Et quand il enlève son pourpoint, c'est Greta Garbo, la plus belle femme du monde. Écoute l'étonnement de l'ambassadeur. Bien sûr. Cela fait être. Je le sentais. Quelque chose me le disait. Ah, la vie est pleine de hasards merveilleux. Et là, il la renverse sur le lit à baldaquin et il tire le lit. Mais alors, on voit rien? On voit rien avec les yeux, mais tu vois tout dans ta tête. Le lendemain matin, écoute si c'est beau. Que faites-vous? J'essaie d'imprimer ces images en moi. Plus tard, dans ma mémoire, je reviendrai souvent dans cette chambre. En revenant de chez Garbo, je venais simplement de dire « Quand je serai grand, je crois bien que je ferai du cinéma. » Avec une dizaine de mots, je venais de détruire leurs grandes espérances. Je vous ai bien eu avec mon cinéma. C'était une farce. Eh bien, tu vois, nous rions aux larmes. Pour effacer ce moment, j'aurais dit n'importe quoi. C'est ce que j'ai fait dans une totale inconscience. La vérité, c'est que je veux être ingénieur des arts et métiers et des constructions navales. Ingénieur? C'est beau. Naval, ça veut dire bateau et cet enfant ne sait pas nager. Si j'ai bien compris, ce sont les autres qui montent sur le bateau. Lui, il les construit. Il ira sur le bateau. Mais bien sûr. Anna, il ira sur le bateau quand il aura 20 ans. Il sera 20 ans. Mais bien sûr, mais quelle importance. Taisez-vous un peu, Azad. Répète encore une fois. Après ingénieur. Ingénieur des arts et métiers et des constructions navales. Il n'a que 10 ans. Mon père écouta ce titre comme une symphonie. Et après, c'est trop tard. Une symphonie qui allait engager une bonne partie de ma vie. Au mois d'octobre suivant, j'ai quitté le collège Saint-Hilaire dans une mutuelle indifférence. L'école qui préparait au prestigieux titre d'ingénieur se trouvait à 5 heures de train de notre ville. J'avais dit une seule valise, et puis à l'intention de Tantana, j'avais ajouté « Attention, à partir de deux valises, j'en prends qu'une au hasard et je m'en vais ».
Il y a tout dedans. Des papiers, des timbres, le numéro de téléphone de la droguerie d'en face. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu appelles Monsieur Anzani. Il nous avertira immédiatement. Pour ton argent de poche, tu sais où c'est. Prends ce qu'il te faut. Si cette boîte, coffre-fort fragile de l'argent de la famille, remonte dans ma mémoire, c'est pour ces quelques mots tout simples qui l'accompagnèrent si longtemps. Prends ce qu'il te faut. Ma Eric de mon enfance, je n'en ai jamais pris davantage. Peut-être parce qu'avec une suprême élégance, tu disparaissais en me laissant seul devant cette boîte dont personne ne connaissait le montant exact qu'elle contenait, ni la somme que j'allais prélever. Azad, il faut partir si on ne doit pas rater notre train. Allez, embrasse tout le monde. On s'embrasse à la mode d'ici ou comme chez nous? Pourquoi? Comment on s'embrasse ici? Alors on s'embrasse comme chez nous? On ne s'embrassait que dans les grandes occasions. Un départ, un retour, un anniversaire ou pour Noël. Mais c'était des gros baisers, mangeurs d'affection, où chacun emportait la tendresse de l'autre. Allez, Tantane, fais-moi vite tes dernières recommandations avant qu'elles t'étouffent. Je n'ai pas de recommandations à te faire. Tout ce que je peux te dire, c'est... ne reviens pas trop maigre, parce qu'après, faut te faire reprendre des kilos. Totana. Oui. Pour les kilos, tu me les donnes au départ, comme ça c'est plus sûr. Mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Le strict minimum. À combien d'exemplaires? J'ai fait pour le mieux. Tu nous as dit, pas plus d'une valise. Alors tu as mis 3 valises dans une. Mais c'est pas toi qui vas la porter, c'est le train. Oui, mais il y a avant et après le train. Il n'y a pas de raison que ça soit toi qui la porte. Alors nous la porterons tous les deux, un peu chacun. Allez, viens. En franchissant la porte du magasin, j'ai su tout de suite que plus rien ne serait comme avant. Je venais de rompre avec l'enfance, ma maison et ma trinité de mère. Allez, Azad, dépêche-toi! Allez, bon! Salut, l'ingénieur! Il faudra coudre des chemises à M. Zakarian. Mais nous les coudrons, M. Anzani! Nous les coudrons! Évidemment, j'aurais préféré un beau soleil pour ta rentrée dans ta nouvelle école. Mais le temps, ça se commande pas. Papa, il faut que tu partes si tu veux pas rater ton train de retour. Oui, je vais partir. Ah, j'ai failli oublier le plus important. Voilà. Tu dois changer de linge tous les jours. Il y a ce qu'il faut dans la valise. Dimanche prochain, quand je viendrai te voir, tu me remets le linge sale et je te le rapporte lavé et repassé le dimanche d'après. Et ainsi de suite. Ça, c'est signé Tantana. À propos de Tantana, elle m'a dit de te donner ces bereks tout chauds. Enfin, ils étaient chauds ce matin, mais c'est aussi bon froid. Papa, tu peux pas dire à Tantana de m'oublier un peu? Non, ça je peux pas. Personne ne peut empêcher la terre de tourner, le soleil de se lever, ni la pluie de tomber. Tantana, c'est pareil. Allez. Salut l'ingénieur. Et fais bien attention à toi. Mon père n'avait rien oublié. Sauf peut-être d'ouvrir son parapluie en traversant la lourde pluie d'orage qui le transperçait.
C'est toi, Zacharian ? Oui, c'est moi. Je m'appelle Vartagnan, je suis en quatrième année. Il s'appelait Vartagnan, comme Zacharian. Nous étions de la même tribu. Ton casier doit être par là. J'aurai jamais la place de mettre tout ça là-dedans. Oh bah dis donc. Prends celui que tu aimes. Non, garde-les. Un jour, tu me feras goûter. Prends, je te dis. Ma tante Anna, elle m'en envoie tant que je veux. Pétale de rose. Eh bien, il est pour toi. Le dîner. Juillet, fin de l'année scolaire. J'ai réussi mon passage en deuxième année d'une extrême justesse. Ingénieur de justesse, ça n'est pas une profession. On est ingénieur tout court ou on ne l'est pas. Le reste, ça ne regarde personne. Zacharian, parloir. Je te dis pas l'année prochaine parce que tu vas réussir à ton concours d'entrée. Et il faudrait, de toute urgence. Je regretterai les confitures de roses de Tantana. Je vais lui dire. Et ce sera tant pis pour toi, parce qu'elle va t'engaver jusqu'à l'écœurement. Allez, salut. Toute l'année, par tous les temps, mon père n'avait jamais manqué sa visite. Chaque semaine, il me ramenait mon linge propre, fraîchement repassé, et un gros paquet de nos spécialités. Et puis il s'en allait, le dos courbé, heureux de ces petits bouts de rencontres qu'il payait chaque fois par 5 heures de train à l'aller et autant en retour. Abkar, qu'est-ce qui se passe? Il est malade, mon père? Eh non, il n'est pas malade, ton père. Il dit toujours qu'il n'a pas le temps d'être malade. J'avais une petite affaire à régler par ici, alors je leur ai dit, puisque je suis sur place pour une raison majeure et impérative, je vous ramènerai le petit. Et moi, ça va très bien, merci. Oh, excuse-moi, Abkar. Alors, tu as quitté le sanatorium? Oui, mais sous surveillance et avec un poumon de moins. Je roule sur mon poumon de secours. Mais je suis plus contagieux, hein. Sinon, je ne serais pas venu. Allez, viens. Oh, malheur, laisse-moi ça, dis. Si jamais tu te prends un tour de rein, il faut que je change de ville, moi. Deux secondes, hein. Ah, juste pour souffler un peu. Ouais, c'est là où le deuxième poumon, il me manque. Mais laisse-moi porter la valise. Jamais de la vie. Ils attendront un peu plus longtemps, voilà tout. Tu vois, ils te le diront jamais. Mais tu leur as beaucoup manqué, tu sais. Ils m'ont manqué aussi. On aurait dit que tu avais emporté la bonne humeur avec toi. Tous les matins, je passais au magasin pour prendre de la marchandise que je me fais livrer chez toi. Eh bien, il n'y avait plus de rire, il n'y avait plus de chansons. Il n'y avait que des têtes courbées sous l'ouvrage. Allez, on y va. Allez, je vous laisse. Reste déjeuner avec nous, Abkar. Pas aujourd'hui, monsieur Agon. Ça, ce sont des moments qu'il faut vivre en famille. Allez, au revoir. Je repasserai, hein.
Elle est pas là, Totana? Il nous arrive un grand malheur, Azad. Notre Anna nous a quittés. Elle nous a quittés? Mais pour aller où? Elle était stupide, ma question, puisque tante Anna ne sortait jamais. Je crois que j'avais dit ça pour gagner un peu de temps, pour retarder l'irréparable. Laissez-le. De toutes mes forces, j'avais espéré que personne ne vienne m'entourer de ses bras, que surtout personne n'essaie de m'embrasser pour me consoler. On avait deviné mes secrètes répulsions, personne n'esquissa ces gestes inutiles. Pas prévenu. Parce que ça n'aurait servi à rien de t'enlever à tes examens de fin d'année. Tu sais, elle n'aurait pas aimé ça. C'est pour ça que tu m'as envoyé à Abkar. Oui. Je voulais pas t'annoncer ça dans un parloir d'école. Elle était malade de quoi ? Il n'y a pas eu de maladie. Un soir, elle nous a dit « Je me sens pas très bien. Il vaudrait peut-être mieux que j'aille me mettre au lit. » Mais selon sa vieille habitude d'être la dernière couchée, elle a encore traîné d'une pièce à l'autre. On avait décidé d'appeler le médecin le lendemain matin. Et puis quand on s'est levé, c'était donc ça, la mort. Jusqu'à ce matin, ça se bornait à une maladie qui arrivait aux autres, les gens que je voyais peu et que je ne reverrais plus. Pour la première fois, la mort se confondait avec un arrachement. On avait déraciné mon arbre, Anna. Strict minimum. En combien d'exemplaires? J'ai fait pour le mieux. C'était bien tante Anna. Elle avait passé sa vie à faire pour le mieux, pour les autres. Et puis un soir, elle s'était effacée sans déranger personne. Elle était morte en tante Anna. Pour calmer cette atroce douleur d'aiguille qui me transperçait la poitrine, j'ai essayé de limiter cette séparation à des banalités quotidiennes. Il faudra écrire à Vartanian pour lui dire qu'il n'y aura pas de confiture de rose cette année. Nos grillades n'auront plus tout à fait le même goût, à cause de ces herbes que tante Anna appelait d'un nom que je n'ai jamais plus entendu. Qu'y avait-il dans cette herbe de vie? Où cueillait-elle l'herbe du diable ou l'herbe de la Trinité? L'herbe à l'hirondelle, l'herbe sacrée et l'herbe du cœur garderont leurs secrets et leurs mystères. Du fond de chaque casserole surgissait le souvenir d'un miracle succulent, avec les gros mensonges d'amour de tante Anna. Finissez-les, moi j'en ai déjà mangé en cuisine. Et ces mises en garde qui m'agaçaient tant. Azad, juste encore un morceau. Azad, mange lentement. Azad, n'oublie pas ton pull-over. Azad, ne bois pas trop froid. La France est en guerre depuis 8 mois. Une guerre sans fureur apparente, sans destruction sanglante. Une guerre du vivre et laisser vivre, que l'on avait fini par appeler la drôle de guerre. Les sirènes rugissaient une fois par jour et à heure fixe pour nous prouver qu'elles fonctionnaient bien.
et les communiqués du Grand Quartier Général des Armées signalaient régulièrement qu'il n'y avait rien à signaler sur l'ensemble du front. Ça bougeait bien un peu tout là-haut, du côté de Narvik, mais pour les gens du Sud, c'était des pays recouverts par la glace un tiers de l'année. Pendant toutes ces années de préparation au concours d'entrée et les quatre années à la grande école, combien de fois avais-je descendu joyeusement les escaliers de la gare Saint-Charles, antichambre des retrouvailles avec les miens. Nous étions en juin 40, c'était la fin de mes études. Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. La crème. Bonjour tout le monde. Oh, Abkar. Voilà, elle est réparée. Hey, assieds-toi, Abkar. Gagnez une assiette. Non, ne bougez surtout pas. Hein. J'ai déjà mangé. Je dois partir en vitesse et je promets à monsieur Avakian d'aller les voir. Qu'est-ce qu'elle avait, cette TSF? Ça fait 3 semaines qu'ils l'ont gardée. Ils ont dit qu'il y avait 2 ampoules grillées. 2 ou 3 pièces qu'ils ont changées à cause de... Je ne me rappelle pas les mots techniques qu'ils ont donnés. Mesdames, ils ont fait une révision générale, quoi. Nous interrompons momentanément notre... Alors, l'ingénieur, c'est pour le 24, ces examens? Un communiqué de la présidence du conseil. Écoutez ce qu'ils disent. Après la capitulation de la Belgique et l'évacuation de Dunkerque par l'armée anglaise, la machine de guerre allemande se tourne maintenant vers le cœur de la France avec ses 138 divisions. Le gouvernement français s'est réfugié à Bordeaux. Les Allemands sont entrés dans Paris et sur les Champs-Élysées déserts, la Wehrmacht défile en ce moment même. Refusant de négocier avec les Allemands, le président du Conseil, M. Paul Reynaud, vient de démissionner. Devant cette défaite inéluctable, le maréchal Pétain vient de constituer un nouveau cabinet. Non, c'est pas possible. Ils disent n'importe quoi. Juste avant la panne de notre TSF, le dernier communiqué disait qu'il n'y avait rien à signaler. Le temps de réparer la panne, les Allemands sont entrés en Hollande, en Belgique, et les voilà en France. Le maréchal Pétain, chef de l'État français, s'adressera ce soir à la nation à 21h. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Ce soir-là, au 168 de la rue Paradis, on pleura de tristesse pour cause de défaite, et dans des proportions difficiles à déceler, on pleura aussi un peu de joie pour cause d'un fils qui ne partirait pas à la guerre. Il a dit qu'on afficherait la liste des reçus vers 2h. Alors vers 2h, ça peut être aussi bien 2h moins le quart que 2h30. Il n'est que 2h10. Ça ne sert à rien de s'énerver. Il vous a dit, dès que j'ai le résultat, je me précipite sur un téléphone et j'appelle M. Anzani, qui d'ailleurs, d'un moment à l'autre, va sortir de sa droguerie pour crier « M. Zakarian, téléphone !» Si son téléphone n'est pas en panne.
Et pourquoi il serait en panne, son téléphone? Parce que des téléphones en panne, ça existe. Il dit pas pourquoi il est en panne, le téléphone. Il sonne pas, c'est tout. Où tu vas? Décrocher l'appareil. Si on entend le bourdonnement, c'est qu'il est pas en panne. Dans une minute, 50 secondes, 40 secondes, 30 secondes, j'allais pouvoir dire « Allô, monsieur Anzani, prévenez mon père que j'ai réussi. » Mais avais-je bien lu mon nom sur la liste? Ou à force de vouloir y être, j'avais peut-être fini par croire que j'y étais? Un téléphone et une bière, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Ne bougez pas. Vous ne me dérangez pas du tout. Vous êtes heureux. Vous avez réussi. Comment savez-vous? Il n'y a qu'à vous regarder passer. Déception, bonheur, espoir déçu. Tout est sur vos visages. Elle s'appelait Madeleine. Elle avait le charme désuet des couleurs vieille soie. En attendant que la cabine se libère, elle eut le temps de me dire quelle musique elle préférait, ses romans favoris, les films qu'elle aimait. Les clients se succédaient dans la cabine pendant que Madeleine, intarissable, remuait les cendres de son pauvre cœur solitaire. Et je n'osais pas l'interrompre. Et puis soudain, elle me dit... Vous savez, les choses ne sont pas simples. J'habite toute seule. Ce n'était qu'une confidence de plus, mais elle ajouta aussitôt... Vous voyez, je vous fais confiance. Ça, c'était une invitation. Vous voulez m'excuser un instant? Juste un coup de téléphone à demain. Et donc, rendez cet argent. Oh, Lourdes, faites pas l'enfant. Un verre de bière pour fêter une réussite, c'est pas un cadeau. C'est de l'amitié. Vous avez un annuaire de téléphone de Marseille? S'il fallait avoir un annuaire de toutes les villes de France. Toute mon enfance et mon adolescence, j'ai vécu sous le poids de vieilles pudeurs orientales qui excluent les choses concernant le sexe. On n'en parlait jamais. On n'interdisait rien, mais je respectais les non-dits. La honte d'être vu avec une fille me mettait le visage en feu. Et même dans cette ville où je ne connaissais personne, il me semblait que l'on devinait sur notre passage ce que nous allions faire.
Je marche trop vite? Mais non, pas du tout. Ah si, si, je sais, on me le dit toujours. Madeleine, tu fais de trop grands pas. Je me souviens, elle habitait Passage des Cordeliers. Dans mon ignorance des meublés et autres hôtels spécialisés, mes désirs les plus naturels se contentaient jusque-là d'étreintes fugitives à la tombée de la nuit, sous des porches d'immeubles, dans les zones sombres d'une impasse, entre deux réverbères, avec des plaisirs interrompus par une porte qui s'ouvrait ou un passant qui surgissait. Restez pas debout. Asseyez-vous. Pour la première fois, j'allais connaître une vraie chambre avec un vrai lit. Une femme qui prendrait le temps de se déshabiller. Et une porte que l'on pouvait fermer à clé. Vous prendrez bien quelque chose? Un peu de Porto? Non, merci. Oh, juste un doigt de Porto. Non, vraiment rien, merci. Vous savez, il faudra pas mal me juger. C'est la première fois que je reçois un jeune homme chez moi. Vous me croyez, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça sent, ces choses-là. Pour l'instant, je ne sentais qu'une lourde odeur de repas préparé en chambre, que l'on avait voulu chasser en brûlant un parfum, et il en restait toujours un peu des deux. Je sais même pas ton nom. Je m'appelle Jean-Paul. Mon vrai prénom aurait déclenché une cascade de questions que je connaissais par cœur. Azad, oh, comme c'est joli, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel pays? Où se trouve l'Arménie? Et là, il fallait résumer 2500 années d'histoire, et je n'étais pas venu pour ça. Oh là là, 8 heures. Pardon, monsieur Anzani. Je ne me suis même pas aperçu que je vous empêche de fermer le magasin. Mais ça n'a aucune importance, monsieur Zachary. On fermera un peu plus tard que d'habitude, c'est tout. C'est pas la peine. Il appellera plus maintenant. Il n'a peut-être pas eu le temps de téléphoner. Si ça se trouve, il est tranquillement dans son train. Son train, il est arrivé depuis longtemps. Moi, je crois qu'il n'a pas réussi. Alors, il n'a pas osé téléphoner pour dire « Monsieur Anzani, dites à mon père que j'ai raté mon diplôme. » Oh, il va rentrer. On ne sait pas à quelle heure. Pendant tout ce temps, sa mère et sa tante se rongent le sang. Et moi aussi, d'ailleurs. Allez. Merci de votre dérangement, monsieur Anzani. Pas de quoi, monsieur Zachary. Oui, il le faut. Sinon, je vais rater mon train. Je crois bien que chez Madeleine, il y eut surtout un grand attendrissement. Un peu de chagrin de sa jeunesse perdue coulait de ses yeux, et la fragilité de son maquillage faisait au contraire apparaître la maturité de ma partenaire. À bientôt. Madeleine savait bien que ce « à bientôt » voulait dire « à jamais ». Thank you.
Ça ne fait rien. Tu réussiras l'année prochaine. J'ai réussi, papa. J'ai pas pu téléphoner. J'ai raté mon train, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais j'ai réussi. On n'a jamais été inquiet sur ta réussite. Alors là, pas du tout. La question s'était même pas posée. Seulement, tu sais comment elles sont, ta mère et ta tante. Dès qu'on est en retard de 5 minutes, elles imaginent un accident d'automobile. Des trains qui se télescopent. Des têtes farcies de catastrophes, quoi. Allez, viens, on va les rassurer. Évidemment, on était sûr que tu serais sur cette liste. Mais il vaut mieux y être, c'est encore plus sûr. Alors, je voulais te dire que ce soir, tu nous as fait un beau cadeau. Ben maintenant que je ne vous vois plus inquiet du tout, je vais vous laisser, hein. Mais j'ai jamais été inquiet, moi. Je savais parfaitement que tout se passerait bien. Oh, il n'était pas inquiet du tout, ton père. Mais avec une olive où je passe, on se faisait sa ration d'huile pour l'hiver. Ce qui me fascine chez toi, Abkar, c'est toujours la grande élégance avec laquelle tu racontes les choses. Je sais. Mais reste dîner. Où tu vas? C'est l'heure de l'usine. Je suis pas un fils ingénieur, moi, qui va m'entretenir à coups de millions. On n'a presque rien mangé. Et si, papa, on a mangé. Mais nous sommes 4 et vous aviez préparé pour 15. C'est vrai. Attention, silence. Comment et depuis combien d'années cette bouteille est chez nous? Seule ta pauvre tante Anna aurait pu nous le dire. Elle l'a gardée pour une grande occasion. Si elle était encore parmi nous, je suis sûr que c'est aujourd'hui qu'elle aurait choisi de l'ouvrir. Attention, Agop, déplace un peu la bouteille. Si le bouchon saute, ça va faire éclater toutes les lampes. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ces cachotteries? Un petit souvenir de la part de nous trois. Porte-le avec bonheur. C'est pas vrai. Si, si, c'est de l'or véritable. Non, je voulais dire, c'est superbe. Ce qu'elle est belle. Maëric, de mes 20 ans, je me souviens de cette image qui me foudroya. En admirant ma bague, je venais de voir que tu ne portais plus la tienne. Cette grosse alliance à l'ancienne qui ne te quittait jamais. Au doigt de mon père, l'anneau avait disparu. Ce soir-là, j'ai su le prix de ma chevalière. J'ai tellement peur que ça ne te plaise pas. Les mots s'étouffaient dans ma gorge. Alors pour briser ce silence de mes stupides pudeurs, par peur panique de me répandre en minauderie, je me suis mis à valser
et à tourner jusqu'au vertige. Je me souviens de ce bal de mes 20 ans, où le temps d'une valse, nous avions effacé la guerre. La lune, indifférente aux consignes de sécurité, éclairait la ville interdite de lumière. Je me souviens de ce petit morceau d'or, gravé à mes initiales, qui pèse toujours à mon doigt quelques tonnes d'amour. Maëric, Anna, Kayane, mes pluriels de mer. Et toi, mon père, mon vieux soldat des années difficiles. Je me souviens de notre bonheur d'être ensemble, dans cette rue paradis, qui nous promettait l'éternité, tandis que chacun de vos cheveux blancs annonçait déjà un cimetière de printemps.